vraiment pas concerté pour le live. C'est parce que hier, j'ai fait un compte rendu, etc. Et je vous ai posé à tous la question, est-ce que vous pensez que Sarah, c'est légitime ce qu'elle fait? Ou est-ce que vous pensez qu'elle est rageuse et qu'elle veut pas faire monter Ahmed, etc. Moi, j'ai un point de vue que j'exprimerai après, celui de Sarah, parce que c'est elle la concernée. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont voté. Franchement, c'est l'un des sondages sur lequel j'ai fait le plus de votes. J'ai fait plus de 34 000 votes, Sarah. D'habitude, quand je fais un sondage, c'est 5 000 à 10 000 votes pour les croustillants un peu hoches. Mais là, il y a eu 34 000 votes où il y a eu des gens de la partie qui ont dit non. Bon, c'était très serré. Je crois que c'est 57% contre je crois, 43 ou un truc comme ça, qui ont dit que c'était pas légitime que tu en veuilles à la GLC. Donc, je sais qu'il y a la GLC, je sais qu'il y a Sarah Lopez. Sans langue de bois, Mara, s'il te plaît, voilà, viens, on donne les blases des gens. Parce que tu as vu les lives. Moi, je me fais torpiller quand on ne parle pas français. Tu vois ce que je veux dire? Non, ok. Non, déjà, Sarah Lopez, c'est pas le dossier, je m'en tape, je vous le dis clairement, j'en ai rien à foutre. Maintenant, ça n'a pas été comme tout le monde le sait, comme tout le monde s'est exprimé. Sarah Lopez, je l'avais sur des tournages, elle m'a soutenue. Après, elle est revenue sur ses paroles en disant qu'on n'était pas amis. Voilà, c'est son droit parce qu'en vrai, elle, bah, clairement, on parlait pas autant que, comme on dit, jazz. D'accord? Donc, Sarah Lopez, je m'en tape, elle fait ce qu'elle veut en vrai. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Vraiment, pour le coup, ça s'est passé et ça y est, c'est terminé. Maintenant, au niveau de jazz, ce que les gens n'ont pas compris et ce qui peut être légitimement, hein, parce que je peux passer pour une rageuse dans le sens où la personne en question, moi, excuse-moi, hein, j'arrive même plus à prononcer son mot, son nom, parce que ce mec-là, il est entré dans ma vie. Maintenant, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que il est entré dans ma vie, ce mec. Il s'est fait passer pour un mec archi-religieux. Archie ne peut pas télé, Archie qui ne peut pas s'exposer. J'ai eu même complètement des phrases, moi, quand j'étais mariée à ce moment-là, en me disant, même en tant que femme mariée, je ne peux pas t'embrasser à l'écran. Je peux limite même pas, quand même à partir du moment où on était mariés, hein, je ne peux pas dormir dans le même lit que toi. Mais vraiment des propos que je ne comprenais pas. Donc tout ça a été travaillé dès le départ et moi je le confirme et je vous le redis, tout a été manigancé, d'accord? Maintenant, il faut comprendre que j'ai eu une relation de 2 ans, que c'est pas une relation de couple comme tout le monde. J'ai été mariée, il y a des familles qui ont été présentées, il y a eu des choses qui sont passées et cette personne-là m'a complètement pris pour une conne. Il y a, allez, je vais rentrer encore dans des détails où je suis pas normalement forcée de rentrer dans des détails, mais pour dire, j'étais carrément dans une entourloupe où il y a certains là, ils vont se dire, c'est quand même mon mari et ça a été mon mari, et genre, c'est pas légitime de parler, c'est ça ne me regarde que moi et lui. Mais non, parce que quand à partir du moment, toi, tu sais que ça n'a pas été sincère, donc arrivé à un moment donné, non, je ne prends pas les patins d'un manipulateur, même si aujourd'hui, toi, tu peux dire que c'est ton gars ou quoi que ce soit, mais moi, cette personne-là, je la connais réellement, j'ai passé 2 ans de ma vie avec elle. D'accord? Donc en fait, on m'a manipulée psychologiquement. Ça veut dire que moi, il y avait certaines choses. J'avais peur de m'habiller. J'avais peur de regarder mes rétroviseurs. J'avais peur de dire à mes potes ce qui se passait à l'intérieur de chez moi parce que c'était, ouais, tu parles toujours à tes copains. Parce qu'en fait, on essayait vraiment de m'enfermer à la maison et de me faire fermer ma gueule parce que tout ce qui se passait pour moi, c'était pas normal et on basait de l'amour, j'étais complètement amoureuse et ça c'est clair, net et précis et personne peut dire le contraire parce que moi si vous regardez bien, j'ai jamais été dans des trucs à buzz, je me suis jamais mis en couple avec des gens de télé-réalité, c'est toujours moi qui ai apporté quelqu'un de l'extérieur et vous l'a présenté sur les réseaux sociaux, d'ailleurs moi qui a été la plus grosse de mes erreurs et j'en ai eu des erreurs dans ma vie mais celle qui m'a, la personne qui m'a traumatisée aujourd'hui quand je vous dis psychologiquement il m'a atteint. Il m'a vraiment atteint. Arrêtez de croire sur les réseaux sociaux parce que les gens ont une bonne image que vous, vous ne les connaissez pas. Vous ne savez pas comment leurs pics sont faits. Vous ne savez pas comment c'est. Tout est fait en fait. À partir d'un moment, quand vous vous séparez d'une personne, comme moi personnellement, je me sépare d'une personne, je n'irai jamais aller côtoyer son entourage. Je n'irai jamais aujourd'hui. Il y a des messages qui sont envoyés à mes meilleurs amis qui ne font même pas partie de la télé aujourd'hui, qu'ils essayent de rentrer en contact avec mon milieu à moi et ma famille. Donc ça, pour vous dire, à ce niveau-là, ce mec-là, vous ne le connaissez pas, je vous le dis, et il y a eu même des moments où là, on va rentrer dans des vifs de sujets où personne n'est au courant, où moi, inconsciemment parlant, je me forçais à faire des choses parce qu'on me disait, t'as pas le choix et que t'es sa femme, en fait. D'accord?
Donc, en fait, on peut me faire passer pour la folle, on peut me faire passer pour la haineuse ou pour ce que vous voulez. La vie de ma mère, et j'ai toujours été une meuf qui a été tellement sincère que le lendemain, ça se retournerait toujours contre moi. D'accord? Tout le monde l'a vu à quel point j'étais mal. Pendant 30 jours, ma mère en a pleuré. Je me nourrissais plus, je ne dormais plus. Et Marc, tu sais très bien, même ta propre femme, je lui parlais de tout ça. D'accord? En fait, ce que les gens n'ont pas compris, et je pense que parce qu'on m'a dit, ouais, tu n'as jamais porté plainte contre ce mec-là, et que en fait, je suis juste en train de raconter des bobards pour bloquer les réalités. D'accord? C'est ça, et qui aujourd'hui, tout le monde en vrai se dit ça. Mais en fait, quand vous avez bâti quelqu'un et que vous savez que cette personne est malsaine et qui est en train d'encore essayer de vous piquer à travers les réseaux sociaux, à travers les réalités, et vous faire passer pour quelqu'un de mal. Ça, je l'accepte pas. Aujourd'hui, carrément, on vient me voir et on me dit, oui, bah, c'est ta parole contre la sienne. Eh ben, je vous le dis, moi, ne vous inquiétez pas. Il y a des prises, il y a des choses que j'aurais dû faire depuis longtemps qui aujourd'hui ont été faites. Il n'y a pas de problème. Chacun va régler ses comptes, comme vous avez dit, en privé. Et on va faire les choses bien de la meilleure des choses. Aujourd'hui, si pour certaines personnes, j'abuse et je suis peut-être folle, je me sens violée, je me sens psychologiquement atteinte et cette personne-là a eu des actes physiques sur moi, des violences physiques sur moi et j'en ai jamais parlé parce que pour moi, mon rôle de femme était de protéger mon soi-disant mari. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, si vous remarquez bien la chose, parce qu'on aime bien me faire passer pour la folle, qui l'attaque parce qu'elle n'a pas envie qu'il perce et je sais pas quoi. Cette personne-là, je vous dis, oui, j'ai pas forcément envie de la voir sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, ce mec-là, c'est clairement mon bourreau. Le mec, il m'a traumatisée. Je peux même plus le voir. Je sais même pas si vous pouvez vous imaginer dans votre tête, en fait. Aujourd'hui, porte plainte. Écoutez les amis, comme je vous ai dit, il y a une chose que j'aurais dû faire et qui aujourd'hui est faite. Je ne vais pas aller plus loin. Je ne suis pas là pour m'exposer sur le réseau. D'accord? Maintenant, on va passer au cas de la DLP. D'accord? Et de Jazz principalement. Donc, excuse-moi Sarah, je te coupe. Qu'est-ce que tu as clairement pour terminer avec le cas Ahmed, même si ce n'est pas le sujet de discussion, tu connais mon point de vue par rapport à Ahmed, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Avec moi, il a toujours été cool et gentil. C'est quelqu'un qui, de base, quand tu l'avais exposé sur les réseaux, qui n'était pas dans les croustilles, qui n'était pas dans les clashs, dans les réseaux, etc. C'est quelqu'un que tu préservais, c'est toi qui l'as mis en avant. Il n'y a personne qui peut le nier. Moi, je l'ai peut-être mis en avant, ok, d'accord. Mais ce que vous savez pas, c'est que derrière les snaps, ce mec-là me disait, pourquoi tu me snaps pas? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu veux pas me mettre? Pourquoi tu me tags pas? Il y a des choses que vous ne savez pas derrière cet écran. Donc oui, peut-être je l'ai exposé sur les réseaux sociaux, mais il y a des moments où je n'avais pas le choix, en fait. D'accord? Et c'était des embrouilles de couple en mode, qu'est-ce que t'as? T'as honte de moi? J'ai grossi. Il faisait le complexé pour que moi j'ai pitié, pour que je puisse le snapper. Je sais pas comment. Sarah, je vais dire un truc, Marisol. Là, moi, je te connais avant la télé, depuis des années. Tu as un cœur en or. Tu as vu, je suis pas là ni pour prendre ta défense parce que je suis avec toi en live pour te faire plaisir, ni pour prendre la défense d'Ahmed parce que c'est mon pote et que je l'ai au téléphone. Tu vois, j'essaye de faire un. Surtout en ce mois de Ramadan, la vérité, je ne vais pas faire le mec, tu vois, l'imam 2.0, entre guillemets, mais j'essaye, entre guillemets, de comprendre le truc. Je sais que tu as un mal-être par rapport à ça, à ce qui s'est passé, parce que c'est difficile d'avoir mis quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec ce que tu as à lui reprocher, d'accord, de le voir s'émanciper comme ça à travers des écrans et que la complicité de tes anciens amis, genre en mode ça te crache à la gueule. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça te crache à la gueule. C'est exactement ça, je crois. Normalement, c'est ça, si je ne me trompe pas. Le truc, c'est que Ahmed, moi, pour finir avec lui, le mec que je connais, c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Et tu as sorti des vidéos. Ça veut dire qu'on s'en fout, c'est un mauvais mari ou tout ça, ça le regarde avec ses relations avec les femmes, tu vois. Moi, je te parle de l'homme en lui-même. C'est quelqu'un qui cherche pas trop les problèmes, la vérité. Et même dans les vidéos que tu as mis, tu as vu les snaps, des fois, tu as un fort caractère, Sarah. Je te le dis, tout le monde le sait. C'est pour ça que tu es aussi connu et qu'aujourd'hui, ben, alhamdoulilah, tu as réussi à avoir une grosse communauté. C'est que tu es toi-même et que tu n'as pas de honte à être ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Tu as assumé, tu as tout vécu toute seule, alhamdoulilah. Le problème, c'est que tu as vu même les vidéos que tu mettais à un moment où il y avait un clash avec lui, où tu l'embrouillais, mais limite tu l'insultais un petit peu, etc. Ça, par exemple, moi, en tant qu'homme, je sais que je pourrais pas l'accepter. Je sais que ça partirait très loin. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, des fois, tu le snappais ou tu lui faisais des vidéos, tu lui dis, hein, bah, je vais pas répéter les mots, tu lui dis, hein, tu regardais des culs, des trucs, machin, et tu lui snappais en pleine tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je pense que 80% des hommes qui sont peut-être dans cela, sauf s'ils se mentent à eux-mêmes,
c'est une grosse embrouille. C'est pas des trucs où, comme lui, il était là avec sa tête un peu de victime en mode bon, ben voilà, je me fais haggal ou un truc comme ça. C'est-à-dire que votre relation, je la connais aussi parce que tu m'en as parlé, il m'en a parlé, etc. Vous êtes, lui, il a un caractère et toi, tu as un fort caractère. C'est pour ça que les gens t'aiment ou te détestent. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un fort caractère, Sarah. Maintenant, le truc, c'est que tu as une partie raison et une partie tort. La partie où tu as raison, c'est le fait que des gens t'ont trahi et donnent du crédit à quelqu'un que toi, tu détestes. Si les gens, ce sont tes amis, ils doivent prendre parti. Ça, c'est une certitude. Maintenant, là où tu ne peux pas lui en vouloir à lui, c'est que lui, aujourd'hui, il bénéficie que de ce que tu lui as donné quand tu l'aimais. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si moi, j'achète des montres à ma femme quand je l'aime et quand je la quitte, je lui dis, eh, vas-y, rends-moi mes montres. J'étais bien là pour faire des enfants avec elle, pour rester poli. J'étais bien là quand il fallait. Tu vois, c'est pas pour. Mais ta femme, à partir d'un moment, n'a pas tapé un discours que lui a tapé. Je sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire qu'il y a une prise de confiance. Il y a, en fait, tu sais, à force de te faire rentrer dans le cerveau, je ne suis pas comme ça, j'ai une image comme ça, et je suis dans la religion comme ça, et ma famille n'accepterait pas ça. Donc toi, en fait, tu vois, Benia, tu te dis quoi? Et t'as vu? Et comme tu dis, c'est ton pote et la vie de ma mère que j'ai pas envie de l'enfoncer plus que ça. Mais moi, de l'argent, Non, je ne veux pas que tu racontes des dossiers. on Voilà, aime, elle a... va être clair. On va être clair. voilà, je veux pas qu'on parle de lui. Ce n'est pas le sujet de base de parler de lui. C'est vrai que c'est le départ du problème. L'argent sale ne rentre pas chez moi. D'accord? De l'argent sale ne rentre pas chez moi avec tout ce que j'ai travaillé. Et voilà comment ça s'est passé. Et voilà pourquoi je l'ai rentré dans les réseaux sociaux. Parce que moi, je lui ai dit, je veux que tu arrêtes ça. Et je ne veux plus de cet argent-là. Voilà comment ça s'est Eh passé. bien, regarde, eh ben, si tu es sincère avec ça, si tu es sincère avec ça, tu es une musulmane, Sarah. Si tu es sincère avec ça, même s'il s'en sort sans toi et qu'il a pu sortir de quelque chose de mauvais par ta cause, alhamdoulilah, tu devrais être Mais fier de ce que tu pas as fait. vrai. Bref, ça se réglera C'est pas grave, viens, on zappe. En tout cas, si tu as quelque entre chose à lui voilà. reprocher, toi, en gros, à lui, tu n'as rien à lui reprocher parce que lui, il fait sa vie et toi, tu vis la tienne. On est d'accord? Lui aujourd'hui, ce que vous le connaissez très mal, c'est qu'aujourd'hui, en faisant ça, en s'exposant vers mes amis, en snappant mes amis, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. D'accord? Il sait très très bien ce qu'il est en train de faire. Je vous ai dit, vous le connaissez très très mal. D'accord? En dehors de ça, moi je t'ai dit, c'est une personne que je ne peux plus voir, lui. On s'en fout, lui j'en ai rien à foutre. Arrêtez de croire que je suis amoureuse, arrêtez de croire que tout ça, parce que lui j'en ai rien à foutre. Et comme vous l'avez dit, parce qu'on me fait tout le temps passer pour la meuf qui veut le boycotter des programmes, je n'ai jamais appelé les 10 couples parfaits en leur disant, ouais, comment ça vous l'avez pris ou quoi que ce soit, parce qu'on me fait passer pour la meuf en fait qui met des pressions aux prods pour ne pas le prendre sur leur programme. Il y a Non. Emine de la GLC qui a dit qu'apparemment tu es parti voir les prods de TF1 pour leur les menacer que tu allais porter plainte contre Ahmed pour pas qu'ils le mettent dans le programme, etc. Est-ce que ça c'est vrai? Je suis partie voir menacer. Ouais, Antoine Riquet, je sais pas quoi, tu es parti leur dire ouais, si vous mettez Ahmed dans le programme, moi je porte plainte, etc. C'est ce qui eux disent, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas du tout la conversation. Et la prod, je l'appellerai demain parce qu'il faut arrêter de mentir sur mes côtes, en fait, d'accord? Et moi, j'ai fait des démarches pour ma personne, d'accord? Pour faire payer les personnes qui m'ont fait du mal, d'accord? Emine, à ce que je sache, tu n'es pas dans mon corps, tu ne sais pas ce qu'il a fait et tu ne sais pas à quel point il m'a atteint psychologiquement, d'accord? Si aujourd'hui tu prends les patins de quelqu'un pour une émission de télé, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, je ne sais pas ce que vous essayez de cacher, mais ça c'est ton dos. Donc va commenter ailleurs ce qu'il y a à faire, mais tu as vu, tu n'es ni dans ma vie, ni dans ma vie de couple. Si demain je décide de porter plainte, c'est pour ma personne et pour arrêter les personnes malsaines, d'accord? Donc faut arrêter à un moment Non, donné. mais de toutes les façons, Emine, il parle au nom de la GLC, Ben, il il a pas parle, elle s'est de. arrivée à un moment donné, comme elle a réussi à m'appeler, elle peut me rappeler et me demander du pourquoi, du comment. Mais bref. Et de toute façon, il faut savoir que depuis que cette histoire a commencé, j'ai tous les enregistrements du monde, que ce soit avec tout le monde, d'accord? À part mes vrais amis et à part les gens que je ne trahirai pas. D'accord? Donc, en fait, faut arrêter de parler à la place des autres. T'as vu, reste à ta place d'assistant et laisse-moi tranquille. Merci. Donc, par la suite. Ah Ah ouais, j'ai capté, j'ai capté. faut arrêter, Ouais, faut arrêter, qui faut reste arrêter. d'être Faut arrêter. assistant. Parce qu'à aucun moment j'ai parlé de sa vie à lui. On dirait qu'ils portent leur nom de famille. Hey, poto, reste à ta place et chacun restera à sa place, d'accord? Quand j'ai parlé d'un blaze, j'ai dit la famille de. T'as vu, si toi, à part entière, tu crois porter leur blaze et t'as envie de porter leur blaze, ça c'est autre chose. Donc s'il te plaît, viens pas parler avec moi. Merci, au revoir. Donc, on va revenir sur ça.
Maintenant, moi, ce que je reproche à Jazz, c'est que tu es censée être mon amie, même si aujourd'hui elle le nie, j'ai encore prouvé une fois. Non, non, c'est ton ami, Maros. Je te dis tout de suite, c'est ton ami. Eh, frérot, t'as pris son dos quand je traînais avec elle, t'as pris son dos dans toutes les sauces, frère. Tu prenais son dos, quitte à te faire des problèmes avec les gens. Et ça, il n'y a personne qui peut mentir, que ce soit tous les blogueurs, Nabil, Aquabeb, tout le monde, eh, frère, tout le monde pourra dire que tu as toujours pris son dos et elle-même, elle le sait et ça, c'est clair. Après, Laurent, c'est différent parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était Laurent qui avait pris la décision de prendre Ahmed et que Jazz en avait rien à foutre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, à ce qu'ils viennent m'expliquer quant au moment où j'ai Jazz au téléphone, c'est qu'elle me dit non, non, c'est pas moi, c'est mon mari. Aujourd'hui, tu as vu, moi, je vais te poser une simple question, Marc. Demain, quand je parle à ta femme, par exemple, il y a une émission sur votre famille, d'accord? Déjà, chose qui n'est pas logique, je me dédouanerai jamais de mon mari. La décision, elle est prise à deux. Quand C'est tu es vrai. marié, que je parle de Marc ou de Nadé, vous êtes ensemble. Déjà, tu ne peux pas dire c'est mon mari et te dédouaner et ton mari prend tout à ta place. Juste l'air de dire lui, c'est pas ton ami, mais moi, c'est mon ami. C'est rien. Tu vois, l'ami de ta femme devrait être ton ami à toi. Il n'y a pas de tes amis, mes amis, nos amis, nous nous séparons. Il faut arrêter à un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est juste histoire de reprendre du recul et pas avoir tout dans le dos, tu vois ce que je veux dire? Non. Donc, de là, oui, le discours qu'elle m'a tapé, c'est pas moi, c'est mon mari, c'est mon mari. Moi, je m'en tape d'Ahmed, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Je lui dis, mais attends, Jazz, t'as été la première à me soutenir. Elle me dit, ouais, mais moi, je me rentre pas dans vos histoires et je suis pas du tout au courant de l'histoire. C'est pour ça que j'ai vu les vidéos hier où elle était, au moment même où je ne mettais pas les détails de ma rupture sur les réseaux sociaux, elle était avec moi. Elle était avec moi au téléphone, elle me disait, je viens de voir, je viens de voir, je lui dis, je veux voir personne, je ne mange même plus, je ne fais plus rien. D'accord? Donc on voit bien sur la conversation qu'elle insiste à me voir. Et on ne parle pas de soutien à travers les réseaux, oui, t'inquiète, ma biche, on est ensemble. On parle de venir me voir chez moi, me propose, je vais jusqu'à lui demander quelqu'un pour faire la ruqya, elle m'envoie des messages, ceci, cela, parce qu'on m'a fait passer pour une folle à ce moment-là aussi. Donc aujourd'hui, moi, j'arrive à la base, rien à voir. Hein. Je passe dans les bureaux, je dis bonjour à Wesley, je passe par à production pour leur dire bonjour par respect. Et c'est même pas, je suis même pas au courant des castings, je suis au courant de rien du tout. D'accord? Donc là, je me mets à parler personnellement d'un truc hors sujet avec la productrice parce qu'on a une bonne relation et j'ai jamais été contre eux. Et de là, elle me dit. Jazz m'a confirmé qu'elle t'a eu au téléphone et que c'est bon, elle peut prendre Ahmed dans son équipe. De là, la vie de ma mère, Marc, je me mets à pleurer. Je lui dis, mais attends, 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 il y a un délire, c'est moi qui est folle ou. Un, elle ne m'a pas appelé. Deux, comment mon amie qui était là quand j'étais plus bactère, frère? Elle pense à mettre la personne qui m'a fait le plus souffrir. Et on parle de faits graves, frère. Comment c'est passé par sa tête? Je sais même pas quoi te dire. À la Sais, base, elle. je me mets en pleurs. La productrice, elle ne sait même plus où se mettre. Elle me dit, bon, 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 tu sais quoi? Je vais demander à Jazz de t'appeler parce que je pense que là, faut vous parler, vous deux. Moi, je sors du bureau, je vais revoir mon frère et mon mec qui est à côté en pleurs. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais vous savez pas, truc de ouf que je viens d'apprendre. Je leur déballe le truc. Donc, moi, j'attends l'appel de Jazz. Donc, je me dis, quand même, dans la minute, la productrice, elle va l'appeler. Elle va lui dire, attends, tu m'as dit que oui, c'est bon, vous avez confirmé, que nanana. Alors que là, je viens de la voir, elle me dit non. Donc, moi, je me dis, ok, elle va m'appeler dans la minute qui suit parce qu'elle a eu la production. J'attends, 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 j'attends. Et je vois rien. Je lui envoie un message sur Insta. Je lui dis, écoute, ma belle, je dis, mot pour mot, je peux. Putain, il y a le téléphone qui tourne. Mot pour mot, je lui dis, je suis complètement choquée de ce que je viens d'apprendre. Et avec des trucs qui applaudissent, tu vois. Je lui dis, Donc bravo. pour toi Jazz, elle se rend complice de ça. Et quand tu lui dis, pour toi, elle fait rien ou tu penses que elle regrette et qu'elle se dit, vas-y, désolé, Maros, je vais, tu vois? Donc à ce moment-là, je t'explique, moi, il n'y a pas de nouvelles. Elle appelle,
La terre entière. Quand je te dis, elle appelle la terre entière, mais elle ne m'appelle pas moi, la personne principale concernée. Donc, elle rappelle la production, elle rappelle ci, elle rappelle ça. De là, moi, je fais ma story complètement énervée. Je me sens trahie. Je me sens trahie. Déjà que tout le monde m'envoyait sur les réseaux sociaux comme quoi Jazz traînait avec lui. Mais les gens me disaient par message, mais c'est quoi ce délire, en fait? Quel rapport? À quel moment la connexion s'est faite, en fait? Donc, je dis, là, il y a une histoire. En vrai, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a des émissions de télé comme Les 10 couples. C'est en rapport avec la même chaîne de télé qu'ils essayent de faire grimper leur candidat, qui ceci, cela. Bref, au final, il se passe tout ce qui se passe. J'attends. Je fais ma story que vous avez tous vu énervée et j'ai dit, je vais juste confirmer des choses qui ont déjà été dites. D'accord? De là, elle m'appelle, elle n'avait pas encore vu les stories. On commence à parler, la discussion a duré plus d'une heure. D'accord? Je lui explique, je lui dis, mais t'as été là, tu m'as appelé, on s'est soutenu. Il y a encore même pas une semaine sur Instagram, on se parlait encore, je te confiais des choses personnelles de ma vie. Tu m'as dit, tu reviens quand à Dubaï? Et je t'ai dit ma date, tu m'as dit, ok, bah, dès qu'on se voit, on se capte. Et tout ça, sans me toucher un mot. Hein. C'est-à-dire de l'hypocrisie dure. Je me dis, attends, mais là, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, elle continue à parler. Elle me dit, mais c'est pas moi. C'est mon mari qui l'a pris. Et ceci, cela. Je dis, ah, ok. Donc, en fait, toi et ton mari, vous êtes deux personnes différentes. C'est comme si, en fait, je dis, moi, t'as vu, quand je parle au nom de la GLC. Et quand l'émission, elle est faite, c'est la GLC. Donc, c'est une famille. Donc, vos décisions, elles sont prises ensemble. Et il faut arrêter de croire, c'est parce que t'es mon ami. Il aurait été dans une autre émission, je n'aurais même pas appelé. D'accord? Je n'aurais même pas appelé et j'en ai rien à foutre. Et vraiment, si lui, il arrive. Il a fait les 10 couples avant, t'as rien appelé. J'ai rien appelé. J'ai rien appelé. J'ai même pas parlé des 10 couples. Moi, ce que j'ai parlé, c'est que je ne comprenais pas comment on peut se faire pour passer pour la victime alors que c'est pas toi la victime dans l'histoire, en fait. C'était juste ça que j'avais dit sur les 10 couples et j'avais même pas prononcé la chaîne de télé ou quoi. Voilà, les gens, ils doivent comprendre, en fait, elle en a après Jazz parce qu'elle le voit, elle la voit partager des moments avec son mari. On t'entend mal. J'ai dit pardon, excusez-moi, là, c'est bon? Ouais. Ouais, je disais, en fait, il faut comprendre les gens, puisque dans le sondage, il y avait beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. En fait, là où Sarah, elle se dit, c'est une dinguerie, c'est qu'en fait, elle a une amie à qui elle s'est livrée, à qui elle a raconté plein de choses privées, etc., que les gens ne savent pas. Et elle lui a dit, en gros, bah, t'es mon ami, je te donne ça comme élément. Sauf que le lendemain, après lui avoir raconté tout ça, le lendemain, on s'est bien compris, quelques jours, quelques semaines après, elle voit que Ahmed est chez elle, alors que c'est censé être sa copine. Donc, du coup, elle se dit, elle joue double jeu, etc. Donc, en fait, c'est soit La trahison ouais, c'est amicale, soit c'est c'est la la chose. trahison amicale et tu te dis bah voilà, elle a fait son choix. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as appelée ça et que tu lui as dit ce truc, peut-être que toi, dans ta vision des choses, tu étais sincère, etc. Elle, peut-être qu'elle se dit je lui dois rien, peut-être elle n'est pas plus amie que ça avec toi. La Ah, vérité. hein? Regarde, regarde, regarde la vérité, on t'a jamais vu à son anniversaire. On l'a Non, jamais vu non. à ton, on l'a jamais vu à ton anniversaire et réciproquement. C'est-à-dire que le feeling, il n'est pas plus que ça. Je ne prends pas sa défense. Je te dis Ouais, juste que ouais. peut-être que pour elle, elle s'est dit, wesh, la selle, elle est folle. Elle croit que vraiment on est amis de ouf alors que on est collègues de travail, on s'envoie des messages de temps en temps par respect. Comme moi, je peux calculer de temps en temps des gens sur les réseaux, mais sans plus, voilà, merci, au revoir. Tu vois, il n'y a pas d'amitié réelle. Tu vois, c'est peut-être que elle pensait ça et que toi, tu étais nié avec elle en mode, je l'aime vraiment, c'est ma reuss. Moi, je vais te dire un truc. Moi, si pour les gens s'exposer avec eux ou les voir 24 heures sur 24, j'en avais même déjà fait une story sur ça. Ou par exemple, quand elle tenait un discours, elle n'a pas vu mes enfants et tout. En fait, j'ai ma vie, t'as ta vie, et on va pas forcément se coller 24 heures sur 24. Tu vois ce que je veux dire? On va pas se coller 24 heures sur 24. Moi, je suis pas là à chercher ta vie. T'as vu? Si les gens ils sont là à chercher ta vie chez toi et à traîner 24 heures sur 24 chez toi et à t'utiliser pour briller, ça c'est le dos des gens. Je n'ai jamais été comme ça et je n'ai jamais été dans cette éducation. D'accord? Aujourd'hui, quand elle dit mes vrais amis sont les gens qui viennent à mon anniversaire ou à mon mariage, excuse-moi de te dire, on dirait que t'as fait un casting de télé-réalité à tes anniversaires. La moitié des gens qui sont là, tu ne les connais pas. Tu ne les connais même pas. Donc, tu ne peux pas venir taper un discours à moi. Oui, il n'y a que mes amis à mes anniversaires. Ou sinon, sa phrase de elle m'a jamais invité à ses mariages. Mais allô, à quel moment je vais t'inviter à mon mariage en sachant que déjà, à mon dernier mariage, l'autre m'avait interdit de ramener des gens de télé-réalité. J'ai dû forcer pour quelques amis à moi parce qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas du tout. Mais même sur plein de choses.
Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on dit quoi carrément? On est parti dire que moi, je suis partie jacter sur les enfants de Jazz. Alors que j'ai toujours dit toute ma vie que c'est, on va pas se mentir, c'est l'un des, c'est les deux enfants les plus beaux de télé-réalité. Inch'Allah, ouais, Mashallah. Mashallah, tu vois ce que je veux dire? À quel point on va aujourd'hui me faire passer pour une menteuse, pour me décrédibiliser et pour arrêter de dire ouais, Sarah, non, c'est pas. En plus, tu m'avais dit ça sur ses enfants, tu m'avais ouais, dit. Ouais, mais... Non, mais t'as jamais parlé sur ses enfants, faut arrêter les conneries. Non, que... Et ouais, ben ça, c'est rapporté de ton propre pote. Il est parti la voir en lui disant elle a parlé sur toi. Tu vois à quel point aujourd'hui on essaie de me faire passer pour une folle. C'est vrai qu'en ce moment-là, il y a beaucoup de trucs qui tournent en mode ouais, elle a un pet. Bah, ne serait-ce que le message de Emine, qui ne vient pas de la part d'Emine parce qu'il n'a pas le droit de poster ce qu'il veut sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est une évidence. Emine la taupe. Et bref, juste pour vous dire qu'en gros, il fait des posts, mais ça n'en dit vraiment rien de. Ça dit juste que ce que ses patrons ils pensent de toi. C'est-à-dire que peut-être tu as un pet, etc. Alors moi, je ne vais pas te mentir. Je ne te dis pas que je partage son point de vue ni que je ne le partage pas. Je dis qu'il y a une partie de vrai. Je dis qu'il y a encore des souffrances du passé qui ont besoin d'être éclaircies. Aujourd'hui, il y a des trucs qui ne sont pas sortis de ton cœur, qu'on sent que ça te fait mal parce qu'il y a des larmes qui coulent, etc. Les gens ils se posent beaucoup la question de savoir est-ce que tu l'aimes encore ou est-ce que tu ne l'aimes plus. Moi, je peux vous le garantir. Je connais le nouveau compagnon de Sarah. Ouais. Elle n'aime plus Ahmed et Ahmed le n'aime plus. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a des. En fait, il y a des démons du passé, il y a une rancœur du passé qui n'a rien à voir avec l'amour, même ce qu'on pourrait penser. C'est qu'en fait, il y a des choses que peut-être elle a laissées ou il y a peut-être des choses qui se sont passées. En fait, il y a une formule, pas de haine, mais de peut-être de regret, peut-être de choses où elle se dit « putain, j'étais… Ah, c'est trop une dinguerie ». Tu vois, parce que croyez pas, hein, son mec, c'est loin d'être une victime. Et il n'aurait pas laissé Sarah comme ça dans des. Ou sinon, il aurait dit vas-y, arrache ta gueule et j'ai pas besoin de toi, t'es encore à fond sur Ahmed, vas-y, laisse tomber. Mmh. Donc, on est même lui, Ahmed, il le sait, il a jamais dit Sarah, elle m'aime encore, elle essaye de me récupérer. Tu vois ce que je veux dire? Même lui, il le sait, je l'ai eu encore aujourd'hui au téléphone, il m'a jamais dit ouais, elle veut encore sortir avec moi. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il se dit quoi? Lui, dans sa tête, je te le dis clairement, Sarah, il dit elle veut pas me lâcher et elle veut pas me laisser faire ma vie médiatique, pas amoureuse, qui sort avec qui il veut, tu t'en bats la race. À partir d'un moment où tu es là, tu veux me piquer avec mes amis, c'est tu ne veux pas me lâcher. Arrête de faire le menteur. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire psychologiquement. Tu le sais. Tu le sais, tu essaies de détruire quelqu'un. D'accord? Tu essaies de détruire la crédibilité de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est moi qui ai sali. D'accord? Quand Émile dit, ouais, on a des dossiers sur Sarah, t'as rien du tout. Tu essaies d'inventer. On est parti jusqu'à me dire, tu es parti chez Hicham. Il y avait telle personne. Tu as fait des partouzes. Vous voyez à quel point ils essaient de me salir. Eh, faut arrêter en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as parlé avec Hicham. Parce que voilà, ils mettent des noms, etc., que personne n'est venu mettre. Mais effectivement, c'était parce qu'il avait accusé indirectement Hicham de complice de ceci, de cela, de machin. C'est vraiment des malades. À quel point? Je vous le dis, et si aujourd'hui il y a beaucoup de mensonges qui est sorti sur une personne parce qu'on essaye, à tout prix de l'éteindre, parce qu'on sait très bien que moi je suis incontrôlable et j'en ai rien à foutre. Eh, j'ai rien à y perdre, faut le savoir. J'ai rien à y perdre, alhamdoulilah, j'ai ma famille, alhamdoulilah, j'ai ma vie. Le reste, je m'en carre. Moi, je veux juste m'entourer de bonnes personnes. Je peux pas me sentir trahie, et on va dire le mot clairement, niquée, et dire. Ouais, tranquille, c'est bon. Hey, vous savez quoi? Baisez-moi en public et on s'aime tous. Mais vous êtes des malades. Mmh. Vous êtes des malades, il faut revenir sur Terre. Mettez-vous 5 minutes à ma place en tant que femme. Non, mais je te le dis, c'est clair. Si demain, Jazz n'était plus avec Laurent et qu'elle voyait peut-être Laurent dans des émissions ou dans quelque chose, dans des snaps d'amis à elle qui lui ont promis, entre guillemets, t'es ma sœur, je sais pas, etc., etc., ça lui ferait mal. Je pense qu'elle n'est pas stupide et qu'elle sait l'entendre en tant que femme et maman. Donc, je pense pas qu'elle soit stupide à ce niveau-là. J'ai parlé avec elle. Écoute-moi, moi, de la conversation qui sort, d'accord. Voilà, elle te dit quoi? Elle, Jazz, elle te répond quoi quand tu lui dis tu me trahis, c'est à quoi tu joues? Elle répond quoi? Elle me dit quoi? Elle me dit moi je suis pas dans vos histoires, c'est mon mari qui l'a choisi, moi c'est pas moi qui l'a choisi, je ne suis pas la production, d'accord? Je ne suis pas la production. Au final, je vais t'expliquer, au même moment, toi, Marc, tu postes une vidéo sur Snap, il y a Laurent derrière qui se lève, qui pète les plombs, oh là là, regarde là. Claquage de fesses total parce que Marc il a posté quelque chose, d'accord, on va parler français.
Et de là, Jazz a dit, mais moi, je m'en bats les couilles d'Ahmed, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon ami, j'en ai rien à foutre de lui, et j'en veux même pas à la base, moi, sur mon programme. Je lui dis, bah, dans ces cas-là, c'est quoi le problème? Pourquoi tu me trahis comme ça derrière mon dos, en fait? Elle me dit, non, c'est pas moi, c'est mon mari. Elle me passe son mari. Et elle me dit quoi? Elle me dit, dans tout le casting, c'est le seul mec qui est un peu le plus connu et que je connais, avec qui je parle. Donc oui, je l'utilise pour mon programme. Mmh. Voilà, mot pour mot. Ok. Donc voilà, leurs sincères amitiés de 2.8, il faut arrêter à un moment donné. Et si vous ne me croyez pas, je vous balancerai les notes vocales encore sur Snap parce qu'on a besoin de prouver. Et elle envoie Emine. Emine, après... Emine, et un peu de pudeur, ma gueule. Te fais pas utiliser pour envoyer des messages, ma gueule, wesh. Vite ta vie, laisse envoyer des messages des gens, wesh. Faut arrêter. Et Emine, je parle même pas de lui. T'es censé t'occuper des placements de produits de ta boss. T'es là, tu m'envoies des grandes menaces. Je vais pas te menacer. On connaît tes histoires de partout. Excuse-moi, poteau, occupe-toi de tes fesses et de ta droiture avant de t'occuper des fesses des autres, frère. Il fait la vaisselle, ma gueule. Non, faut arrêter 5 minutes. Faut arrêter 5 minutes. Bon. Eh bon, vas-y, essaye. Tu veux qu'on prenne Jazz en live ou c'est comment? Ça ne t'intéresse pas? Moi, non. Voilà. Moi, je suis neutre. Moi, Jazz, parce que je sais que Jazz, elle est avec un faux compte. Je sais que Jazz est avec son faux compte, ça ne bouge pas. Mais si on doit prendre Jazz en live pour qu'elle s'explique, parce que. En plus, on va lui faire gagner des followers maintenant qu'elle est éteinte. Vas-y, c'est quoi le bail? Marus, Jazz. Moi? Vas-y. Non, elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas. Laisse tomber. Non, mais voilà, c'est tout. C'est qu'arrive à un moment donné, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle a blessé une amie et qu'elle n'arrive même pas à avoir de cœur. Et comme elle me l'a dit si bien hein, dans la conversation entre moi et elle quand on a parlé après, c'est business is business. Oui, donc on est bien d'accord que le business passe avant l'amitié. C'est ça qu'on va retenir. Et c'est qu'en gros, on s'en fout de ta vie et vas-y, laisse-nous faire notre business. C'est ce que je t'ai dit, Sarah, tout à l'heure, quand je t'ai eu en ligne, je t'ai expliqué, je t'ai dit, tu sais, malheureusement, dans ce milieu-là, il ne faut pas être naïf. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, c'est le business qui prime surtout. Tu comprends ce que je veux dire? Les gens naïfs, ils n'y arrivent pas dans ce milieu-là parce que quand tu veux réussir, il faut vendre ton âme et tu n'as pas le choix, c'est une vérité. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux arriver vraiment au sommet, il va falloir faire une grosse compétition. C'est comme son entourage à elle, soi-disant ses amis qui traînent tous les jours avec elle, si elle parle de on m'a menacé, on m'a fait du chantage, et ben appelle Sissika, ma soeur, si tu regardes le live, et demande-lui s'il a pas pris de l'oseille sur ton dos sur l'histoire de la vidéo. Moi, je vais balancer, je mets ça juste là, les amis. Et copine, si tes vrais amis ils dorment chez toi et mangent à table avec tes enfants et mangent avec ton mari et mangent dans ton assiette et c'est toi qui leur as fait gratter des thunes, et ben demande-leur combien ils ont pris sur ton dos pour l'histoire de la sextape. Allez, bye, et je terminerai sur ça. Donc, Sarah, à la base, j'ai pas les mots. Je vais te souhaiter une bonne soirée, Sarah. Je voulais juste rajouter une dernière chose pour les personnes qui disent à Sarah lâche Ahmed et tout. Et je sais que Ahmed est l'ami de mon mari et donc je dirai jamais mal de lui parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Je te l'ai dit, Sarah. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'une personne, Sarah, c'est une personne qui a mal vécu des choses, qui a été vraiment traumatisée, qui a vécu beaucoup de mal et du coup, c'est difficile pour elle et c'est difficile pour tout le monde. Je vous mets tous au défi de voir les gens qui vous ont fait du mal comme ça avec vos amis et tout. À un moment, il faut comprendre que sa réaction, elle est humaine. Mais... Et Sarah, on la voit sur les réseaux, c'est une humaine. C'est difficile quand on dit lâche l'affaire. Il y a des choses qui te révoltent. Elle a juste fait un snap pour dire je suis dégoûtée de l'hypocrisie des gens et ça a pris toute une ampleur. Mais à la base, elle a fait un snap que tout le monde aurait fait. Il ne faut pas faire les hypocrites. Moi, si je vois une amie qui traîne avec quelqu'un qui m'a fait du mal, bah, j'ai mes réseaux sociaux, j'aurais dit je suis dégoûtée de la trahison. Enfin, c'est normal à la base. Il faut arrêter de dire lâche. Elle n'est pas collée sur Ahmed. Elle s'entend très bien avec son nouveau chéri. Ahmed fait sa vie. Mais voilà. Je m'entends avec vous. Et vous avez tout fait de vous rappeler que c'est votre ami. Bien sûr. Moi, je vous ai appelé, je vous ai dit non, traînez pas avec lui, frère. Exactement. C'est pour ça que j'ai dit je sais que c'est pas ce que les gens pensent. C'est-à-dire que Ahmed, c'est mon gars, il le sait. Et même, je pense qu'il est dans le live ou qu'il regarde le live. Ça reste mon ami. Moi, il ne m'a jamais manqué de respect. Il s'est bien occupé de ma maman quand elle est venue sur Dubaï, etc. Donc, tu vois, encore une fois, c'est pas quelqu'un que moi, en tout cas, personnellement, je me mettrais sur son chemin pour lui faire du mal jusqu'à ce que peut-être il fasse une dinguerie à ma famille ou j'en sais rien, tu vois. Maintenant, je te dis, par rapport à vos histoires de cœur passé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas dites sur les réseaux. Et du coup, ça te laisse, toi,
dans un état voilà au moins, où tu vois peut-être voilà. Aussi, tu vois les gens voient ça un peu ce milieu mais c'est bien que ça se passe comme ça entre guillemets parce que les gens voient la partie du business, voient la partie télé, la vraie partie télé, les gens ils la voient aujourd'hui. Ça veut dire que normal, ça prend des gens dans une émission, bien ou pas bien, on s'en fout, hein. Mais ils l'apprennent aux dépens de tes amis. C'est-à-dire que l'amitié, elle primera jamais sur leur oseille. Exactement. Ça, ça n'existe pas, ça. Et on l'a vu, et on le voit, et pas les seuls. Mais c'est même pas pour leur cracher dessus à eux, parce que la vérité, ils m'ont rien fait, je m'en fous de parler mal de eux, tu vois. Mais que ce soit eux ou d'autres couples de télé ou d'autres émissions, on les voit avec des faux amis en caméra. Mais bien sûr. On les voit avec des faux amis, tu vois. Et on les voit aussi, des fois, accuser des gens à tort. Parce que c'est peut-être aussi difficile, pour un petit peu apaiser le truc, c'est peut-être aussi difficile d'avoir des vrais amis dans ce milieu-là aussi, tu vois. Ouais, mais non, mais je vais donner un exemple concret. Par exemple, Hicham, de la GLC, il a été accusé d'être une taupe, alors que ce n'était pas lui. Tu vois, il a accusé d'être une taupe, on l'a accusé de plein de choses, alors que ce n'était pas lui, etc. Pas tu vois. S'il te plaît. Non, mais ce n'est pas le problème. Mais, non, c'est Emine, la taupe. Non, parce que il veut le garder, de toute façon. On a voulu accabler une personne, alors qu'en vrai, les sources, elles sont encore dans la famille même. Voilà, il faut arrêter à un moment donné. Laissez Hicham tranquille, voilà. Bon, en tout cas, Sarah, merci d'avoir fait ce live pour expliquer aux gens parce qu'ils ne comprenaient pas tous. Donc, vas-y, de toute façon, on va regarder les stories. S'il y a des mots à dire en plus, on regardera les stories. Merci à tout le monde d'avoir été en live. Et, merci à toi. Et bonne soirée. On t'embrasse, Sarah. Bisous, Marius.